Yo tout le monde, c'est Sugarkick et aujourd'hui nous se retrouvons sur un jeu pas délirante, ni fun, ni rien, juste de la concentration du cerveau. Sorum dit la maison. Je suis très fort à la traduction. Et donc c'est William Roosevelt qui m'a conseillé ce jeu parce que c'est un jeu casse-tête et aussi il y avait les cartes à échanger. Donc et moi je suis champion de cartes à échanger sur Steam. Hein. Donc c'est parti pour une nouvelle partie. Alors, j'ai jamais su c'est quoi l'histoire, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Et j'ai envie de vous apprendre avec vous. Ok, déjà ça lag. Cliquez pour commencer. Cliquez et déplacez la souris pour regarder aux alentours. Ok. Ça, c'est un immeuble. Double clic sur l'en. Alors, double clic sur l'enveloppe. Attends, il n'y a pas une enveloppe? Ah si, l'enveloppe, l'enveloppe. Faites glisser lettre, la lettre, l'or. Ok. Cliquez sur la clé pour récupérer. Non, je veux lire, je veux lire. Vous êtes venu, je sais que votre curiosité l'emporterait. Allez, suivante. Une petite clé de cuivre avec un motif d'animal. Oui! C'est quoi l'animal? C'est un cochon? Non, c'est un. Je sais pas. On va dire la clé du cochon. Alors, faites pivoter la serrure. Oh! Reviens! Voilà, je le fais tourner. Oh. Hop là. C'est bon. Je mets la serrure. Je la fais tourner. Ouvrez le couvercle. Prenez le colère. Donne-moi à manger, je vis, donne-moi à boire et je meurs. Ah, ça c'est dans Alice et au pays des merveilles, ça j'ai déjà vu. Hein, ça j'ai vu. Hein, bon, peut-être j'ai pas vu, mais c'est Alice au pays des merveilles, je pense. Allez, c'est parti. En vrai, je connais pas du tout le jeu, hein. Il me explique juste le tuto, je le fais. Hein, hein c'est un tuto, hein. Donc, un oculaire bien étrange. Ok, pourquoi tu m'as pas dit le détail sur le tuto, putain? Alors. C'est quoi? Une belle vue. Ouais. Cliquez sur l'icône circulaire pour le retirer. Ah, ok, ça. Cool. Double-clic sur le note pour la lire. Bah, je l'ai déjà lu. Pourquoi ça sert? Une énigme, la solution doit être quelque part. Ouais. C'est pas faux. Clique droit sur le zoom en arrière. Oh! La réponse est quelque part sur le coffre. Une lettre. Ça. Bon, enfin bref, ça doit être quelque part là. Ah, ça doit être tout proche. Non. Ok. C'est génial. Quelques-uns de mes vieux livres poussiéreux, je ne crois pas qu'ils nous seront utiles. Putain, le connard, il me fait une mini critère du genre. Eh non, je sais pour deux fois. Il doit être quelque part, ça doit être derrière. Ah. Talisman. The World Ordinal. Alors. Je sais pas trop. Est-ce que je peux faire double clic? Non. Ici. Ah! Oh! Je ne pense pas que ce soit la réponse. Ah! Ah ben voilà! On sait, c'est quoi? C'est l'air. Je pense que ça doit être l'air, je suis pas très sûr. Il y a quoi? Feu. Terre. Ah, ça doit être de la terre. Ça doit être de la terre. Ah non. Attends, c'est quoi l'énigme? Je suis très nul aux énigmes, hein. Attends, c'est quoi l'énigme? Attends, je reviens sur l'énigme. Alors. Donne-moi à manger et je vis. Donne-moi à boire. Ah! C'est tout à fait con! Donne-moi à manger et je vis. Et donne-moi à boire et je meurs. Eau plus feu, ça fait la mort! C'est le feu! Putain! Ah, ces ennemis à la con. C'est l'eau! Une clé!
Le feu, le bois, le nombril, mais l'eau s'éteint. Je devrais peut-être appuyer dessus. J'ai déjà appuyé dessus. Alors, je prends la clé. Une vieille clé étrange. Ouais, elle est étrange parce que, excuse-moi, j'ai jamais vu un truc aussi bizarre pour ouvrir la porte. Enfin bref, allez. Cette clé est étrange, je devrais y garder de plus près. Bien joué. Cliquez sur l'icône de la clé dans l'inventaire pour les animer. Faites tourner au bout. Ok. On dirait que je peux faire la forme de la clé en tournant le bout. Ouh putain, c'est quoi ce truc? Allez. Trouvez la flèche et retournez pour quitter. Maintenant, tu peux nous aider un peu plus. Bon. Je crois que ça doit être là-dedans ou ça doit être plus haut, non? Non, ça peut pas être possible d'être en haut. La clé doit se mettre quelque part. Là-dedans, peut-être. Non, je pense pas. La clé, où je pourrais la mettre? Dans le cul. Alors, ah! Voilà! Mais non, je veux pas la laisser animer, je veux juste l'utiliser. Voilà. L'utiliser. Putain. L'utiliser. Ça n'entend pas la clé. Ah, il faut que je réanime la clé. Et je pense que ça doit être de ce... Non, attends, ce sens. Non, attends. Dans ce sens, peut-être. On va voir ça. Pourquoi? Ah. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Objet trouvé, une jolie plaque de métal cravé, on dirait que le bout pourrait servir à dévisser quelque chose. Ok, alors, ça doit être avec ça. Ouais, je sais, moi je vais commencer directement à la fin. Alors, c'est parti. Est-ce que ça peut servir en haut? Non. Ça peut servir en haut? Non. Ça peut servir là? Non. Ok, elle doit être quelque part. Alors, il faut tout s'animer. Et s'animer, ouais. Elle doit être en haut, je pense. Non, en haut, on a tout visité, hein. Attends, je regarde plus de détails. Non, c'est bon. Attends, je peux pas prendre ce truc aussi? Non, je peux pas. Ok. Ce truc. Ok. Il est magnifique. C'est beau. Très beau. Où je pourrais le mettre? Dans mon cul, peut-être? bloc de merde. Suivant. Alors. Où je pourrais la mettre? C'est ça le problème. Ah, peut-être avec mes jumelles? D'accord, il me faut des lentilles. Non, ça sert à rien. Il doit avoir un rapport avec Talisman. Il doit avoir un truc, non? Ok. Philippe? C'est toi? C'est bon, je veux pas me faire blague avec ça, hein. Je suis en train de me concentrer avec un coffre déjà. Mais ça doit être où? Attends. Je vais y regarder des vidéos, mais je me souviens plus c'est quoi le truc qu'il faut faire. Alors attends, ça c'était bon. Mais ça se met où? Sérieusement. Laisse-moi voir. Il doit y avoir une forme qui doit faire avec... une forme. Mais où est la forme? En haut? Peut-être pas. En bas? Ok, déjà ce côté, c'est fait. Il doit être dans ce côté-là. Non, c'est pas l'eau. Enfin, c'est pas l'air, je veux dire. Ok, alors comment tu peux réussir à faire n'importe quel clic qui sont dans ce côté pour ouvrir une lettre. À part le petit détail près qu'il y a pour la lettre. Alors. Ok, retourne pas avec l'eau, punaise. Ça sert plus à rien. Ah, l'énigme. Elle pourrait servir à dévisser quelque chose. Ah, mais quoi? Dévisser. Pourrait diviser quelque chose, mais j'hésite à diviser ça, mais ça marche pas du tout. Divise-moi ce truc.
Ah! Putain de merde. Mais en tout cas, je peux te dire que le jeu est beau, hein. Pour cette année-là, je sais pas, hein. Après. Allez, indice numéro 2. Elle pourrait servir à dévisser. Deuxième indice. Deuxième indice. D'accord, il te propose juste un indice. Après le deuxième, tu peux te faire carrer. Dévisser. Qu'est-ce qui pourrait se dévisser? Bah ben voilà, William Roswell, c'est lui. Hein. C'est lui qui m'a conseillé ce jeu. Merci, enculé. Alors. Où je pourrais dévisser sérieusement? Dévisser quoi sérieusement? Je peux rien dévisser sérieusement. Ah! La petite détail qui tuait! Putain, je me disais que ça devait être un rapport avec ça. La belle animation. Ah, je le sens. Ah! Lenté! Cliquez sur l'en. Le oculaire, ouais, j'arrive pas à dire, c'est quoi? Satan est avec nous! Satan! Wow, il y a plusieurs trucs. Attends. Je comprends rien du tout. Alors, attends. Il doit. Alors. Ce cercle. Alors. Déjà, les mecs qui ont fait ce dessin-là sont très forts. Surtout qu'ils vont me faire peur, je parie. Ils vont faire oh bonjour Hugo, allez, je te fais scribe Kratos. Putain. Ok. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Il doit avoir un rapport avec ça, non? Oh. Le petit truc qui sert à rien, mais qui peut. Une clé! Mais il faut que je la vérifie avec la détail. Alors, ça doit être dans ce sens. Et. Paf! Non, attends, là je l'ai mal pris. Et paf! Je la fais tourner. Et voilà! On a terminé le tuto. Génial. On va le premier chapitre, je suppose. Et. Ça fait craft flipper un peu quand même. Ok, maintenant je peux l'ouvrir. Non? Tourner. Ok. Alors. Ah oui, il faut faire un dessin. Alors attends. Comme ça. Comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Je crois que c'est plutôt. Voilà, comme ça. Ensuite. Ah, ça là. Et voilà, nous sommes Maya maintenant. Attends, il doit y avoir un problème. Bah oui, c'est un peu bête sinon. Voilà. Voilà, c'est un peu bête. Oui! J'ai eu peur. Ça marchait. Ok. Je reçois un livre ou. Ah, ok. Waouh! Apparemment, ça est venu à un ancien jeu, ça, je me souviens plus. Je savais pas. Tiens, tiens, sortons ça pour les animer de plus près. Le coffre ou. Ah, ok. Chapitre terminé. Belle progression, mais croyez-vous vraiment avoir faim? Avoir fait vos épreuves. Alors, les épreuves. Ça, je suis pas sûr. Bon, je pense que je vais vous quitter là parce que je vais vous laisser avec plein écran d'énigmes, je pense. Donc, je pense mieux vous faire délire avec ça. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser. Et donc, je vous conseille ce jeu. Pendant ce temps, il était en solde de Steam Noël. Je l'ai acheté. Et voilà. Après, je sais pas à quel jour je vais publier cette vidéo parce que là, si vous avez vu l'ancienne vidéo, donc voilà. Il y aura beaucoup de trucs, etc. Donc, je vous présente ce Room, un jeu pas mal. Un peu casse-tête. Je sais bien que vous aimez pas les jeux de casse-tête, etc. De toute façon, vous avez vu le film Casse-tête chinois, alors voilà. Hein? Qu'est-ce que je veux dire plus? Bon, allez, je vous laisse. Bonne journée. Et en tout cas, ce jeu est magnifique. Allez, peace!